Et puis une guerre qui oblige aussi le gouvernement à adopter de nouvelles méthodes de travail. C'est le président de la République qui est, on sait, le chef des armées. Un point très complet fait tous les jours au palais de l'Élysée. Mais d'autres réunions ou d'autres cabinets de crise se sont constitués, notamment au ministère de la Défense. Enquête de Jérôme Catala et Agnès Molinier. Depuis le déclenchement du conflit, le centre de décision est ici, au palais de l'Élysée. Chaque jour, François Mitterrand y réunit autour de lui les plus hautes personnalités civiles et militaires. Le Premier ministre, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que les principaux responsables militaires, au premier rang desquels on trouve le général Schmitt, chef d'état-major des armées. C'est là que François Mitterrand décide des orientations diplomatiques et militaires de la France, là que les décisions les plus importantes sont prises. Une deuxième réunion quotidienne, toujours à l'Elysée, double en quelque sorte la précédente. Y participent le secrétaire général de la présidence, Jean-Louis Bianco, le directeur de cabinet du Premier ministre, l'amiral Langsade, chef de l'état-major particulier du président de la République et les collaborateurs directs des ministres concernés. Objectif, élaborer et proposer des mesures concrètes pour chaque ministère, mais aussi coordonner l'action du gouvernement. Au ministère de la Défense, Jean-Pierre Chevènement travaille essentiellement avec le général Schmitt, chef d'état-major des armées, et le général Monchal, chef d'état-major particulier du ministre. Tous les matins, ils étudient ensemble les informations venues d'Arabie Saoudite, en liaison constante avec le général Roch Joffre, patron du dispositif d'Aguet. Des réunions qui ont lieu habituellement dans les locaux top secrets du COA, le contrôle opérationnel des armées, quelque part sous le ministère. Les opérations militaires définies avec les alliés sont soumises au feu vert politique du président. Voilà. Au Quai d'Orsay, chez Roland Dumas, on suit minute par minute l'évolution de la situation dans les pays de la zone du Golfe. L'heure n'est pour l'instant pas à la diplomatie, mais on étudie en détail la politique de la France dans le conflit et ses conséquences pour préparer l'après-guerre. Enfin, à Matignon, pas d'état d'âme. Les décisions sont prises à l'Elysée, mais ici, on doit gérer le coût de la guerre et le reste. Le reste, c'est-à-dire le quotidien. Alors les habitudes de travail n'ont pas changé. Tous les lundis, le conseil de cabinet restreint, dirigé par Jean-Paul Huchon, mais avec un double souci, exacerbé par la crise, efficacité maximale et cohésion gouvernementale.